Oui, allô? Ça marche? Oui. D'accord. Alors, par contre, pour le micro, c'est peut-être pas assez fort, mais bon, on va remettre. Si, ça va? Voilà, donc je voudrais tout de même attirer votre attention quand nous passons sous les ponts qui enjambent la Seine, au niveau de l'axe triomphal, comme on appelle cet axe qui part depuis le palais du Louvre, qui traverse Paris à l'Arc de Triomphe, qui continue par la Défense et qui se prolonge par cet axe donc qui part plein ouest, avec, vous savez, une petite différence d'environ 0,7 degrés entre justement le Louvre et l'axe de la Défense, parce que l'Arc de Triomphe a été déjà un petit peu décalé d'une certaine façon par rapport à la ligne urbaniste qui a prévalu au XIXe siècle. Alors, de temps en temps, vous verrez les tours de la Défense. Peut-être qu'on va apercevoir la Grande Arche. J'aperçois, si vous voulez, les tours d'habitation proches de la Défense. Et nous devrions avoir un petit regard, une petite possibilité d'apercevoir l'arche, si on peut dire, exceptionnelle de la Défense. Alors, vous voyez qu'on a aménagé quand même ces bords de Seine par la promenade, qui est tout de même assez extraordinaire, car il y a quand même une volonté pour la région Île-de-France de faire de cet axe des bords de Seine un lieu de promenade, je dis l'axe, excusez-moi, de ces bords de Seine, un cheminement plutôt de promenade. Et on peut aller, vous savez que depuis Bougival, si vous voulez aller à pied jusqu'à Colombes, eh bien vous longez la Seine et c'est une promenade qui est très agréable pour les bons marcheurs ou éventuellement pour ceux qui ont des vélos. Avec s'il y a des passionnés de vélo sur ce bateau. Ah, d'accord. D'accord. Et les sympathiques d'entendre les enfants dire mamie, je crois que c'est une croisière très familiale, très agréable, où toutes les générations. Voilà, on aperçoit l'arche, paraît-il. Elle n'est pas dans l'axe, hein. Moi j'ai pas. Elle n'est pas dans l'axe. Hein. Ah si, ça y est, on la voit. Il y a une petite trouée, on revient par le même chemin, donc ce que vous allez manquer éventuellement à l'aller, vous pourrez le repérer mieux au retour. Voilà.
Voilà.